Et coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Oh là, je suis trop près. Je pourrais reculer la caméra, c'est encore mieux. Je vous présente. Ça bouge, pardon. Je vous présente. Edami Edemo. Marie, salut. Alors, je vais commencer. Salam alaikum, kifdiri. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous présente Adem. Il est bronzé, hein, machallah, avec bah, la piscine, le lac et tous les baignades, voilà. Et ben bah, il m'a dit, je lui dis, attends, bronzé et musclé. Adem, hein. Je lui dis, mais décale-toi un petit peu, attention, on te voit. Il m'a dit, non, mais je veux qu'on me voit. Il me dit, dans cette vidéo, je veux qu'on me voit. Il dit, ils ne vont pas me kidnapper ou me voler ou... Je lui dis, t'es sûr? Je lui dis, moi je. Il me dit, oui, oui, je veux. Bon, bah écoutez. Salut, madame Ness. Salut. Bon, de toute façon, il y a déjà tes abonnés qui m'ont vu. Oui, dehors à l'extérieur quand on croise les gens. Surtout dans le bateau, tu as demandé l'année dernière. Dans le bateau, ouais, l'année dernière. Il y a une famille. Il a appelé une hermine, toi tu disais, j'espère, elle est pas aussi méchante que. Coucou à la famille qu'on a rencontrée l'année dernière quand on revenait pour le retour du Maroc. Effectivement, oui, on avait rencontré une famille, une très très belle famille, machallah, dont leur fille Nermine qui me suit. Et je me rappelais en fait d'elle parce qu'elle me laissait des messages sur Instagram. Subhanallah, le monde il est tout riquiqui comme ça. Par moments, franchement, tu te dis, c'est fou quoi. C'est leur fils qui m'avait reconnu. Bref. On se retrouve dans cette vidéo pour blablater, c'est tout? Non, pour mettre les fournitures dans le sac et dans la trousse. Voilà, il me dit, allez maman, on le fait. Et c'est vrai qu'il m'a motivée, hein, j'étais pas motivée. Désolée, la fenêtre est fermée, les volets sont fermés. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a le ventilateur juste derrière. Parce que sinon, je ne peux pas. Je ne peux pas me filmer là, comme ça, habillée et tout. Ça doit faire le bruit de quand t'es dehors avec le vent. Avec le vent, je sais pas. On va rien entendre. C'est pas, on verra. Sinon, on recommencera un matin. Que tu veux qu'on fasse, on va voir. Quoi, ici, l'intro. Yallah. Je vous ai montré la dernière fois tous les achats. Je vous montre ça. Alors, ici, les fournitures scolaires, bah, tout ce qu'on a pu acheter là, dernièrement, que je vous avais partagé. Ici, c'est le bac où je mets le stock. Mais là, c'est un petit peu n'importe quoi, puisque c'était comme ça depuis le déménagement. Et franchement, j'ai encore pas pris le temps de le refaire. Justement, on va le prendre ce temps-là. Le cartable, je vous avais partagé quand on avait fait les sommes, non? C'est ça? Oui. Voilà, c'est où? Je sais plus, moi, au village de Marc. Ah oui, au village de Marc, aux Outlettes. Et la trousse que j'avais pris il y a un petit moment à... Non, elle ressemble, tu vois. Je l'ai prise à... Action, bien sûr. Et là, celle de l'année là qui vient de passer. De voilà. Aussi. Et celle-ci aussi d'Action. Mais celle-ci, c'est plus pour la maison. Pour mettre ses crayons, tout ça. J'aime pas, en fait, qu'il utilise les choses de l'école à la maison. Moi, je préfère qu'il ait plusieurs trousses. Quoi, deux trousses. Mmh. Une pour l'école et une pour la maison. Comme ça, Elle, c'était pour l'école. Celle-ci, c'était pour l'école. Oui, c'était pour les feutres, là. Pire, les feutres et les crayons. Maintenant, sinon, t'as. Et ça, c'est pour le feutre et les crayons. Ouais, si tu veux, ou sinon, t'as la PSG aussi. Non, bref, nous, on aime trop les trousses. Moi, oui, j'aime trop les trousses, les petites pochettes de maquillage, tout ça. Je suis vraiment une fan de tout ça. Bref, là, on lui a fait plaisir pour son sac à dos parce que il va être au collège, Inch'Allah, dans quelques temps. Là, dans quelques jours. Pour la rentrée, plus l'année dernière, on lui a pas acheté de nouveaux sacs à dos. Il avait déjà celui de l'année d'avant, c'est-à-dire que il a pu faire avec CM1 et CM2. Voilà. Et voilà, pour lui faire plaisir et puis pour le motiver à bien travailler, avoir un bon comportement, etc. On lui a fait plaisir. Voilà. Mais aux Outlettes, franchement, il coûtait pas très cher. Et il lui a plu et on a dit, bah tiens, mieux le prendre ici. Que quand il va le prendre en grande surface, quand j'ai acheté là, les fournitures, c'est sûr qu'ils sont même plus chers. Voilà tout. Bah, allez, nous, on va se motiver parce que sinon... On fera
jamais. Bah sinon voilà, on va rester assis là comme ça. Jusqu'au 3 août. Non, 3 septembre. Il dit 3 août. Allez, on va tout déballer. En tout cas, une grosse partie. Moi, j'aime bien le stylo. Vas-y, coupe avec moi. Là. On sort de l'île. Voilà, on va pas se mettre sur le bureau là-bas comme ça. Sinon, ça sera étroit, vous allez rien voir. Tiens, je te donne. Ça, c'est pour ta trousse. Mais si c'est à moi. Pardon. Je sais même pas laisser regarder. Parce que je sais que c'est à moi. C'est rien du tout, c'est un papier de la maison. Tiens, je te laisse ouvrir. Au fond, est-ce que ça, c'est le mien? Je vais mettre. Mais stylo préféré. Je vais mettre. Stylo calculé. Surtout, il y en a un dedans. Ça. Ton oreiller, il traîne par terre. Bravo. Il te faut un scotch, je me souviens. Voilà, ça, ça va être. Alors, il y a une partie là, à moi. Ça, c'est le stock. Faire attention, parce que quand on leur laisse tout, je sais pas vous, mais voilà. Ils se disent que ben. Ils peuvent utiliser assez facilement. Regardez ce qui est très bien, regardez. Attends, tu fais attention à ta consommation. Qu'est-ce qu'il y a? T'as tout fait tomber. Regardez. Là, ce qui est bien dans ce stylo 4 couleurs, c'est que ouais. Là, il y a un crayon papier. Là, vous pouvez pas y. Quoi, gris, faut, celui-ci. Ouais. En fait, ça, c'est pas une gomme. Il faut appuyer dessus pour comme ça, tu fais descendre la mine. C'est un critérium. Ah, d'accord. Et là, tu peux écrire. Regardez. C'est un crayon papier, d'accord. Ah. Et là, derrière, c'est une gomme. Il faut enlever le petit capuchon et gommer. Non, c'est pour faire descendre la mine. Oui, mais par contre, c'est pas une gomme, ça faire remonter. Non. Mais c'est pas une gomme. Attends, Adam. Mais ça, c'est une gomme. Ah, si. Je vois. Et tu me l'avais dit, la dame à froid. Je suis gomme. En fait, ça fait stylo plus... Ah, il manque le vert, en fait. Il n'y a pas le vert. Mais sinon, après... Tiens, le petit... couvercle. Oui, mais par contre, comment je fais pour remonter la mine après? Bref, c'est celui-ci. C'est le, je crois, Shine. Voilà. Bon, bah alors, tu prends lequel? Les... Ben attends. Oui, pas lui. Si, les deux. Oui, eux tous. Oui, bien sûr. Non, lui, je le laisse pour la maison, Pierre. Lui, tu le laisses pour la maison? Oui, je prends l'argent. Alors, allez, encore un petit... D'accord. Laisse-les pour... là. Reprends ta place. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Avec ça. Oui, oui, moi aussi. Je vous en avais parlé. Les surligneurs. Ça, c'est à moi. Après, il y a ça aussi. Pour... Il y a un... C'est stylo préféré, ça. Ça, c'est à moi. Ils n'ont pas le droit, en tout cas dans leur collège. Il faut que ça soit à souris et pas en. T'es sûr que c'était pas le contraire? Non, je te le promets. Un stylo comme ça. Taille crayon. Si je prends un chouc liquide, blanc liquide. Blanc liquide? Ah ouais, c'était bien ça. On n'a pas le droit au blanc liquide. Oui, t'as pas le droit. Et en fait, ce qu'il vient d'énoncer là, c'est la liste de tous les interdits. Tiens, tu veux un critérium? Parce que là, je l'ai gardé. Donc. Déjà, j'ai mis les mines ici, du coup, c'est bien. Prends-en un. Hein. Attends, je t'arrête dans ce que tu fais. Voilà. Et ici, déjà, regardez ce qui est bien, c'est que c'est comme un petit feutre. Voilà. Oui, bah, ils connaissent. Bah, pour les mamans qui ne connaissent pas ou les papas, c'est un stylo effaçable, il a une gomme. Elle est où la gomme? On peut montrer? Non, là derrière. À l'endroit pour là, appuyer. Il y a les mines. Parce que dans leur collège aussi, interdiction les stylos à encre. Sinon, j'aurais pu faire une petite ou une grande gomme? Une petite. Après, moi, je vais ranger tout ça. Ça, c'est pas la peine. T'as déjà un critérium. T'en veux un comme ça pour être sûr? Non, c'est bon. Tu peux le garder. Ouais, mais après, la mine. Moi, je préfère.
Tiens. Feutre, crayon de couleur neuf. Les anciens, ils vont les laisser pour la maison. On va les mettre ici. J'ai acheté deux paquets de colle pour être tranquille. Tiens. La colle. Ça vide vite. De la gouache. Les surligneurs. Les surligneurs, je les faut tous. Oui. C'est un pastel. Regardez. Tiens, du blanc. Bah franchement, ça, tu peux laisser comme ça des années. Elle se remplit pas trop, ça. C'est écrit scotch. Tu verras pour. Tiens, bah laisse-le dans tes feutres et dans tes. Là-bas, là, derrière. Bon, on est plus près, après, on verra si on va la voir. Eh, déjà, ça sera filmé, là. On est pas bien, là. T'as vu les portes? Oh, c'est chaud. Allez. Bah, dis donc, t'es excitée, hein. T'as vraiment hâte de partir à l'école. Bah, moi, en tout cas, je suis la plus heureuse. Tiens, ton agenda. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu devrais mettre avec les feutres. Ou laissez dans une pochette de ton portable, s'il te plaît. Dans une pochette, ça. Tu verras avec. Il est emballé. Non, il n'y a plus de maîtresse. Avec ton prof, leur plastique. C'est fini, maîtresse. Tu fais de la pollution. Ah ouais, 21 euros. Tu vois, regarde. 21 euros, le 30 euros. Il y en a beaucoup plus cher. C'est hein. Rien, là. Il y en a, je, des fois, ils sont à 40-50 euros. C'est hein. Je te rends. Tu vois, les jours de la rentrée de ma classe, avec ma prof. Après, tu sais très bien, c'est trop. Je me demande, et je te donnerai. Ça, c'est pour moi. Moi, je suis comme toi, j'aime trop les trousses, tout ce qui est dedans, les trousses. Ouais, je sais. Voilà. C'est bon. Deux trousses, c'est pas vrai. Les porte-vues, j'ai acheté comme ça, je crois que j'en ai plus. Fortnite, voilà. 2023-2024. T'as vu les pochettes pour 2024, Inch'Allah aussi. Hop. Et maintenant, on s'occupe des cahiers. Des pochettes, des classeurs, des intercalaires, des feuilles, des porte-vues, de tout le reste, quoi. Parce que il connaît pas plus que ça, parce que c'est une grande première pour lui, parce qu'il passe en sixième. C'est vraiment différent de la maternelle, tout simplement, hein, par matière, tout ça. Et puis, j'ai envie de l'accompagner, tout simplement. Pour moi, c'est important. Et puis, que je sois là pour lui, et puis que je lui explique. Et qu'on décortique aussi cette fiche de fourniture parce que ce n'est pas simplement une liste de fourniture scolaire. Je trouve qu'elle est vraiment très, très bien faite. Déjà, c'est une liste de la 6e à la 3e par matière, voilà. Et par matière aussi, voilà, par exemple, il demande pour le français, par exemple, il demande un classeur et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le classeur, voilà. Parce que ce qu'il demande pour le français, bah, c'est pas exactement la même chose que pour les maths, et ainsi de suite. Et voilà, j'aime bien voilà, lui expliquer, l'orienter, et voilà, apporter aussi ma petite touche, tout simplement, en tant que maman, et puis d'être là et de l'accompagner, tout simplement. Et je trouve, voilà,
de faire par code couleur, c'est bien aussi, comme ça, ça peut le repérer. Et franchement, je vous conseille de prendre en double les cahiers. Il y a encore plein de promos, même si vous avez déjà fait vos achats. Bah, si vous pouvez en reprendre un petit peu. Moi, je sais, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, je prends tout de suite en double, parce que si d'ici novembre, décembre, il lui en faut, eh ben, il aura déjà. Je ne vais pas aller me presser en magasin, acheter encore une fois, et en plus payer plein pot, là, c'est en promo. Ben, voilà, mieux s'organiser comme ça et en profiter des promos, comme ça c'est fait. J'ai pris en double niveau cahier, hein, bien sûr, juste niveau cahier. Je vais devoir repartir. Je me suis dit, je vais faire la même chose pour les feuilles, parce que ça part hyper vite. Niveau colle, ben ça, j'ai pris en double. Voilà, c'était super intéressant. Puis moi, je trouve qu'il dépense énormément niveau colle. Je me suis dit, comme ça, c'est fait, une fois pour toutes. Voilà, regardez, c'est ce que j'étais en train de faire. Je prends la feuille et je lui explique en même temps. Voilà, et puis il voyait pas la différence aussi entre les feuilles simples, les feuilles doubles, les petits carreaux, les grands carreaux, tout ça. Alors je lui ai appris, voilà quoi, je lui ai montré tout simplement. Et là aussi, voilà, de toute façon, magasin, il était présent avec moi. Je lui avais bien dit, voilà, je te prends les cahiers qu'il faut et je te les prends en double, comme ça. Au moins d'ici fin d'année, début d'année, si toutefois il t'en faut encore. Bien sûr, en prendre soin de ses affaires et tout, mais s'il t'en faut encore, ben voilà. Les intercalaires, j'ai pris qu'un paquet, parce qu'il demandait, il me semble, juste une fois ou deux. Et au final, c'était pas écrit combien d'intercalaires. Est-ce que c'était 6, est-ce que c'était le paquet de 12. Je me suis dit, tiens, je prendrai quand même un autre paquet, c'est pas grave, au pire, ça sera pour la fois d'après, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et voilà, on est en train de faire le point, là. Sur les matières et de lui apprendre tout simplement, voilà, et de parler un petit peu du collège, des amis, etc., d'être vraiment présent pour ses enfants et de pas les laisser comme ça et tout, de les accompagner tout simplement et de leur donner un soutien. Bon, ici, franchement, dans cette vidéo, ça va être que ça, et par la suite, parce qu'on n'a pas pu faire ce qui était au programme. Je m'arrête 2 secondes. Cette calculatrice a été offerte par le maire, voilà, à tous les collégiens de la commune. Merci, monsieur le maire. Et oui, je vous disais, on n'a pas pu faire le reste parce que je voulais ranger le reste du stock. Je voulais faire un bon nettoyage dans sa chambre, faire du tri aussi au niveau de son armoire, remettre le lit comme il était au départ pour avoir de la place pour travailler au niveau du bureau, tout ça, tout ça. On devait faire tout ça tous les deux. Mais finalement, comme il faisait très, très chaud, ce jour-là et les jours qui suivaient, il faut savoir que nous, on est restés quand même, je crois bien, 2 bonnes semaines avec la canicule, là, comme ça. Et c'était juste pas possible de faire ce grand, grand ménage, malgré que je vous ai montré quand même pas mal de choses ces derniers temps. Alors les amis, je vous explique comment j'ai fait. Tout simplement, j'ai pris la liste et j'ai fait en fonction de la liste qu'on nous a fournie et des matières. Là, pour le parcours CDI, un porte-vue à conserver de la 6e à la 3e, le français, etc., etc. Là, pour le français, par exemple, un classeur avec tout ce qu'il faut. Et j'ai déjà tout mis dans le classeur, les intercalaires, les feuilles simples, doubles, grand carreau et les pochettes transparentes avec le petit cahier. Et maintenant, elle va pouvoir faire sa page de garde ici. Voilà, comme ça, il sait que c'est pour le français. Et par code couleur aussi. Ici, il peut mettre que c'est français. Là, tu peux retourner cette fiche et prendre une autre feuille, hein, comme tu veux. Ouais, peut-être prendre une autre feuille et mets CDI. Est-ce que c'est français ? Non, là, c'est CDI. Non, c'est français, non ? Non, français, il est là. Heureusement que je suis là, hein. Là, je commence par là. Ah oui, c'est vrai. Les matières, c'est... on a dit CDI. Tu n'en as pas besoin, en fait, pour le français, de porte-vue. C'est un classeur et un cahier. Là, tu pourras mettre CDI. Comme ça, tu sauras déjà que c'est CDI. Comme ça, on ne va pas ressortir la feuille en plus, entre-temps, si on la perd. Attends, on va faire ça tranquillement. Et par code couleur. C'est-à-dire que là, je saute là. L'anglais, ça sera du vert. Et j'ai pris en double.
Comme ça, si au cours de l'année, il en a besoin, je n'ai pas besoin de courir au magasin et d'aller en jeter. Surtout que c'était en promo. Anglais, après ça va être l'allemand, ça sera en jaune. L'histoire géo, c'est un classeur, etc. Mais par code couleur, comme ça, il pourra se repérer. Il n'aura pas besoin de lire. Ah oui, qu'est-ce que c'est tout. Bon, au début, après, il saura, même lui, il saura très bien que l'anglais, c'est du vert, l'allemand, c'est du jaune. Bah, c'est moi qui ai choisi. Telle matière, c'est telle couleur, etc. Puis lui, au fur et à mesure aussi. Hein. Voilà. Bah, là, si tu veux, tu peux utiliser. Hein. Parce que, non, mais là, c'est pas la peine. C'est le stock, Adam, qui reste. Ah. Par contre, là, tu en as besoin d'un. Ben, si tu as un appareil bleu, comme ouais, ça, tu es. Ça bleu. Ben voilà, sur ça, j'allais mettre jaune avec jaune. Ben nous, on va faire une petite présentation, comme ça, il saura en fait quelle fourniture pour quelle matière. Et ben voilà, la première partie pour mon fils va s'arrêter ici. Comme je vous ai dit, il a fait très très chaud ces derniers temps, on n'a pas pu faire plus que ça. Mais là, on se motive parce que ça se rafraîchit. Dieu merci, alhamdoulilah. Alors, on va pouvoir s'attaquer justement pour se prendre quelques jours pour faire vraiment tout ce qui est grand nettoyage, grand tri, désencombrement, remettre les pièces comme il se doit. Comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas ça à la rentrée. Je fais ça un petit peu avant la rentrée pour que justement, quand eux vont reprendre l'école, moi, je peux reprendre mon travail aussi tranquillement et je ne vais pas rester enfermée voilà, chez moi avec le ménage, etc. Non, non. Comme ça, on fait participer en plus toute la famille et prendre aussi les derniers jours un petit peu avec les enfants, se faire des petites sorties, un petit resto, quelque chose. Voilà, les derniers jours quoi, de vacances, en profiter aussi avec eux. Moi, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous embrasse très très fort. Il y a plein de recettes qui arrivent, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes et qui vont nous aider au quotidien. Promis. Juste patience. Gros bisous. Slama. Mouah.